Le Conseil économique, social, culturel et environnemental poursuit sa deuxième session ordinaire 2024 dans le cadre des échanges avec les différents ministères. Le président de cette grande institution de la République reçoit aujourd'hui le ministre de l'Éducation nationale, Mamadou Boukar Gana, autour de la table. Comment changer les mentalités des citoyens par l'éducation en vue d'une refondation du Tchad? Une question qui mérite des réflexions profondes, d'où l'intérêt de cette rencontre, souligne le président du Conseil économique, social, culturel et environnemental. De ces échanges, il est attendu une redynamisation du système éducatif. Notre département où est ancrée l'éducation civique reste un enjeu de premier plan dans les stratégies de l'éclosion du ressentiment national, de la croissance économique et du développement global de l'homme. L'objectif visé est d'amener l'ensemble de la communauté tchadienne et la jeune génération à s'approprier et à vivre les valeurs républicaines à travers une citoyenneté active en vue de sa pleine participation au développement de notre pays. Le Conseil économique, social, culturel et environnemental entend par cette nouvelle forme de collaboration toucher plusieurs institutions de la République pour recueillir leurs attentes et suggestions afin d'administrer des bonnes valeurs pour la refondation du Tchad.